Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, sous la demande de certains élèves, on va étudier un peu sur Hanouka. C'est-à-dire, la Gemara. Dans Masechet Shabbat, page 23b, nous dit la chose suivante. Amarava pshita li ner beito vener Hanouka, ner beito adif, mishum shlom bayit. C'est-à-dire, si quelqu'un il a de l'argent, mais il ne peut pas, il a, disons que les bougies, ça coûte 10 shekels. Il a 10 shekels. Ou il achète les bougies de Shabbat, ou il achète les bougies de Hanouka. Il dit, Rava, c'est pas chiout, c'est clair qu'il doit acheter d'abord les bougies de Hanouka. Pardon, les bougies de Shabbat. Pourquoi? C'est Shalom Bayit. Pourquoi Shalom Bayit? Ça représente. Non, c'est pour faire kiffer un petit peu. Tu sais ce qu'il écrit le comment s'appelle le Ben Ishraï. Vous savez que les bougies de Shabbat, on allume deux bougies et voilà. Maintenant regarde Mer. Regarde Mer. Mer. C'est combien en gématria? 250. Fois 2, on a 2 bougies, ça fait 500. L'homme, il a combien de membres? 248. La femme, elle a 252. 252 et 248, ça fait 500. D'accord? Donc, 2 nérotes, c'est l'homme et la femme. Maintenant, regardez bien. À l'entrée de Shabbat, il n'y a pas encore le Shalom Bayit. Alors maintenant, on allume les 2 bougies pour faire le Shalom Bayit. Alors à la fin de Shabbat, on allume les bougies de la Avdallah. C'est quoi la bougie de la Avdallah? C'est 2 bougies qui sont enlacées. Ah, elle est belle ou pas? C'est ce qu'il dit le Ben Ishraï, d'accord? Et tout le Inyan, c'est quoi? C'est que Shabbat lui amène le Shalom Bayit. C'est pourquoi, comment les bougies amènent le Shalom Bayit? Il semblerait qu'à l'époque, 12 les maris c'était des Marocains. Et s'il va avoir, il va avoir de l'obscurité, et quelque chose va se casser, quelque chose va tomber, quelque chose va pas être bien fait, le mari va s'exciter et ça va se terminer. D'accord? Donc pour qu'il y ait le shalom, pour que tout se passe bien, si on est tout le temps dans l'obscurité, ça ne peut pas bien se passer, ça va bien se terminer. Donc la Torah, la Gemara, elle dit, si c'est Oussa, ou Hanouka, ou les bougies de Shabbat, c'est clair d'abord, avant toute chose, passe l'harmonie du couple. Donc, la Gemara continue, Beito, ner Beito, bekidush shayom, ner Beito adif. Si j'ai de l'argent pour acheter ou des bougies ou le vin pour le kiddush, les bougies, Shalom Bayit, c'est plus important. Tout ça c'est simple, c'est clair pour la Gemara. Ba'e Rava, maintenant on a une question. Ner Hanouka ve kiddush hayom, ma'u. D'un côté, j'ai ner Hanouka, de l'autre côté, j'ai kiddush hayom. Qu'est-ce que j'ai d'argent ou pour acheter le kiddush ou pour acheter les bougies de Hanouka? Qu'est-ce que j'achète? Alors elle dit la Gemara, on a les deux côtés, on ne sait pas. Pourquoi? Kiddush ayom adif detadir odilma ne Hanouka adif mishum pirsum enisa. C'est d'un côté ne Hanouka c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a pirsum enisa. Et de l'autre côté, le kiddush il est mieux. Pourquoi? Parce que c'est à dire, on sait que dans la religion, tout ce qui est à dire, tout ce qui est fait en général, alors on le fait en premier. Par exemple, Shabbat et Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on va lire d'abord? Shabbat, parce que Shabbat c'est toutes les semaines. Si j'ai Shabbat et Rosh Chodesh et Hanouka, on va lire ce Shabbat, Shabbat, après Rosh Chodesh, après Hanouka, etc. D'accord? Si je vais faire maintenant la bracha sur un fruit qui est nouveau, je fais d'abord Borei Priyaetz ou je fais Shekhianu? Borei Priyaetz. C'est pas... c'est une marloquée. Pourquoi? Parce qu'on a une autre chose aussi quand on fait la bracha, c'est qu'on a fait la bracha proche du manger. D'accord? Donc si je fais Borei Priyaetz et après Shekhianu, donc le Shekhianu il arrête entre la bracha et le fait qu'on mange. Mais bon, en général c'est comme ça qu'on fait. C'est une marloquette, mais c'est comme ça qu'on fait en général. D'accord? C'est-à-dire, c'est-à-dire. Donc le vin, le kiddush, je le fais toutes les semaines. Les Hanouka, c'est une fois par an. De l'autre côté, dans les Hanouka, j'ai Pirsum et Nissa. Et Shabbat, j'ai pas Pirsum et Nissa. Et Rava, il dit, ça je sais pas.
Si c'est Hanouka et le Shabbat, Shalom Bayit c'est plus important. Si c'est Kiddush et les bougies de Shabbat, les bougies de Shabbat c'est plus important, c'est Shalom Bayit. Mais si j'ai ça et ça, Chais, Bayit. Mais c'est Bayit, pose la question. Intéressant, il ramène aucune preuve. Et alors il dit, Batar de Ibaya, après qu'il a posé la question, Adam Pashta. Alors il est arrivé à la conclusion et à la solution et à la réponse sans avoir aucune preuve à ce qu'il dit. Nechanouka dit Pishum Pirsum Elisa. Pourquoi? Alors la Gemara a posé la question, elle a dit si j'ai ça ou ça, là on a d'un côté Pirsum Elisa, là on l'a pas, de là on a Tadir, là on l'a pas, je sais pas qu'est-ce qui vaut mieux, alors maintenant ça c'est mieux. Vous voyez pourquoi? C'était ça la question, c'est de savoir qu'est-ce qui vaut mieux. Tu me dis, tu poses une question, mais tu ne me réponds pas pourquoi. Enfin, tu me réponds, mais c'est... Accepte et c'est tout. Ben, ne me regarde pas comme ça, c'est une question. Quelqu'un a une idée? C'est occasionnel. Pardon? C'est occasionnel, mais en tout cas, c'est pas tout le temps, contrairement à. Justement. Non, c'est pire. C'est pas bien. Non, parce que quand c'est occasionnel, c'est une occasion plus importante. C'est... Non, c'est justement ce qu'on dit quand on dit Tadir Meshon, on va dire Tadir Kodem. Tout ce qui est occasionnel, c'est moins important que ce qui est. On va commencer par là. C'est bientôt Noël. Maintenant, c'est intéressant, chez les Goïm, dimanche, c'est le sabbat. C'est le jour du Seigneur. Tous les dimanches, c'est dimanche. Tous les dimanches, c'est Shabbat. Noël, c'est une fois par an. Et pourtant, quand le Noël va arriver et qu'il va tomber dimanche, tout le monde oublie dimanche et tout le monde est occupé à Noël. C'est-à-dire que chez les Goïm, c'est exactement l'inverse de chez nous. Nous, si Yom Kippour, le jour de l'année, il tombe Shabbat, c'est bien. Qu'est-ce qui est plus important? Shabbat. Yom Kippour, on lit à la Torah 6 personnes. Shabbat, on lit à la Torah 7 personnes. Si Yom Kippour, il tombe à Shabbat, on lira 7 personnes. Et on lira la paracha de la semaine. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est plus important. Chez les Goïm, c'est exactement l'inverse. Les Goïm, ils te disent, si maintenant on a Noël qui tombe un dimanche, oublie dimanche, il y a Noël. C'est le plus important. Pourquoi? Parce que ce qui est occasionnel, ce qui vient de temps en temps, c'est beaucoup plus fun. Mais la Torah, elle va nous apprendre, ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui se marient. Ça arrive. Et il y a des gens qui se marient et qui disent qu'ils s'aiment. Alors, à la demande de mariage, quand il a fait la demande, aïe, 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 il a monté à la tour Montparnasse, à le dernier étage. Il y avait là-bas un serveur avec un bouquet de fleurs de 450 roses, d'accord, et une bague, 3 carats, il a payé 30 000 euros. Tout ça, il a dit comment il aime, comment il est joli, comment, tout ça, c'est très bien. Et après 6 mois de mariage, elle ne se rappelle plus si vraiment c'était lui ou si c'était quelqu'un d'autre. Que tout a changé. D'être beau gosse, c'est déjà on parle de beau gosse, d'être beau gosse occasionnellement, c'est pas difficile. Mais d'être beau gosse continuellement, c'est vachement difficile. D'aimer un jour, c'est pas difficile. D'aimer toujours, c'est bon, hein? D'aimer toujours, c'est très difficile. De montrer de l'amour à ta femme, quand tu lui demandes sa main, ouais, ça va.
Mais de lui montrer de l'amour toute ta vie, ça c'est plus difficile. De venir faire Noël une fois par an, c'est... Alors une fois par an, on investit, on réfléchit, on... De faire Shabbat toutes les semaines, waouh, c'est plus difficile. Nous, on avait une bonne en Belgique, une Goya, d'accord, et nous recevions, en plus, on faisait Shabbat tous les Shabbats, bien entendu, et on recevait des invités tous les Shabbats. Comme maintenant, mais là-bas, c'était toutes les semaines. Et donc, ma femme, elle préparait énormément à manger toutes les semaines, d'accord. Et la bonne, un jour, elle a dit, Madame, why so much cooking? Pourquoi tu cuisines tellement beaucoup? Alors ma femme, elle m'a dit, mais tu imagines, pour elle, ce que nous on fait tous les Shabbats, elle fait ça à Noël, d'accord? Pour elle, c'est la fin du monde ce qu'on fait Shabbat, d'accord? Eux, ils font ça une fois par an, ils réfléchissent, ils font un menu, etc. Nous, toutes les semaines, c'est la fête, d'accord? Alors, c'est bien entendu très difficile, mais c'est ça qui montre, est-ce que tu es vraiment un beau gosse? Est-ce que tu es vraiment un mensch? C'est-à-dire, de venir à la yeshiva et d'étudier une semaine sans s'arrêter, etc. C'est bien. Mais d'étudier toute sa vie, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus difficile. Mais c'est ce qui montre, est-ce que dans ton essence, tu t'es réparé, tu es impeccable intérieurement ou pas? Le Hafetz Chaim, il dit que d'être un matmid, matmid c'est un assidu. C'est pas d'être assis une heure au standard, mais c'est d'être assis 60 minutes par heure. C'est très profond. Vous avez compris ce qu'il a dit ou pas? D'être assis à chaque fois une heure et d'étudier, c'est pas difficile. Mais d'être assis chaque heure 60 minutes, ça c'est très difficile. La Torah, elle vient, elle te dit, mon fils, oublie les waouh, les sauts d'humeur, les je suis excité, une fois de temps en temps, j'arrive, je suis pleine lumière. Ce qui est important, c'est-à-dire, c'est le travail quotidien, c'est la vie de tous les jours. Ça, c'est ce qui montre, est-ce que tu es une personne qui est impeccable, ou si c'est ce qui montre que tu es capable seulement de faire du show pendant quelques secondes, mais à l'intérieur, rien. D'accord? Donc, t'adir, mes chers, non, t'adir. Ok? On a compris? Alors, on a un grand problème si on a compris. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'elle dit, l'agma? L'agma, elle dit, écoute, je sais pas, si j'aime bien Hanouka et le kidouche, je sais pas qu'est-ce que je choisis, parce que d'un côté, kidouche, il est à dire, de l'autre côté, Pirsomenissa, c'est Pirsomenissa. Mais si on réfléchit une seconde, c'est quoi Pirsomenissa? C'est quelque chose de tous les jours, exceptionnel, le social. Et l'autre à dire? C'est quoi le miracle? Le monde, il roule constamment. Tout est parfait. Et puis tout d'un coup, t'as quelque chose d'occasionnel. Un miracle. Yoshua, le ciel, le soleil et la lune s'interchangent tous les jours. Lui, il fait la guerre. Shemesh begivandom, viarer beemek ayala. Quel? Tout s'arrête. Ça, c'est un miracle. Ouais, c'est un miracle. Mais c'est quoi un miracle? C'est et non à dire. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, non! Mais après que j'ai posé la question, j'ai compris. C'est Ner Hanouka. Mais cette réponse-là, elle est exactement l'inverse de quoi? De la logique. Parce que Pissou Melissa, c'est exactement un autre à dire. Et si on a Tadir, mais chez un autre à dire, Tadir Kode. C'est ça qu'on aurait dû prendre. C'est une bonne question, non? Vous devez dire que Ner Hanouka, c'est plus à dire que Kiddush HaYom. Ner Hanouka, c'est plus à dire que Kiddush HaYom. Comment tu vois ça? Après, ils n'ont pas fait d'exception à la règle. Donc, Je crois qu'il y a un excès de bogosité là. C'est pour ça qu'il a précisé sûrement la question, alors qu'en fait je connaissais déjà la réponse. Pour mettre en valeur que Tadir, c'est malgré tout, c'est... Oui, mais la réponse c'est pas ça. Oui, là c'est une exception. Mais alors pourquoi? Ah, peut-être le fait que d'avoir résonance, c'est-à-dire qu'il a fait une exception à la règle. Ok, pourquoi?
Écoute, si la réponse c'est ça, la Gemara elle a dit que c'est la réponse. Donc c'est ça, on sait que c'est la réponse. La question c'est de savoir pourquoi c'est contre toute non, logique. Non, c'est-à-dire que ça, parce qu'il y a pas une autre logique derrière, c'est qu'il n'y a absolument aucune logique. Ah. C'est pas comme ça. Non, mais attends, le kidouche, je parle de la Gemara, oh. Le kidouche, on peut le faire avec autre chose que du vin, alors que les nérotes, le chanukah, on peut pas allumer autre chose que le nérotes. Le shlambait, on peut faire avec des diamants, pas besoin des bougies, hein. Ouais, je t'assure, tu poses la question à ta femme, qu'est-ce qu'elle préfère, la réponse sera prise. Hein. Ton porte-monnaie aussi va vite passer. Hein. Peut-être que l'idéal, c'est justement que tout le monde voit les Nessim tout le temps. Donc là, on montre, là, on a l'occasion de le montrer. Donc, voilà, personne... Il est beau gosse, il est très beau gosse. Mais j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Parce que si, c'est ce que tu viens de dire. Mais oui, mais c'est quoi la nature? Dans la nature, c'est-à-dire. Donc là, c'est tout un anissime. Exactement. Donc qu'est-ce qui est plus important? Le miracle ou de comprendre que la nature, c'est un miracle constant? Oui, mais si le miracle, c'est un miracle constant, donc c'est-à-dire. Donc les deux, c'est-à-dire. Donc c'est bon, on peut choisir. Et le juste le montrer. Si, qu'est-ce qu'on veut montrer? Là, on veut montrer justement que ce miracle d'après, il n'était pas c'est-à-dire. Que si, parce qu'on aurait pu croire, après la sortie d'Égypte, etc., c'est-à-dire qu'on est des miracles, on va dire. Donc le peuple juif il est des miracles là, donc là quand on allume la Hanoukia, on se dit même dans ce cas là c'est pas tadir, c'est pas parce qu'on a souvent des miracles que c'est qu'ils sont tadir. C'est pour ça que sur le coup c'est plus pas chaud, c'est le kidouche. Je suis pas sûr d'avoir compris. Parce que le jour de Shabbat on refuse peut-être pas de bougie, mais ça continue à rester allumé pendant même les lumières de Hanoukia, continuer à rester allumé. Non, je sais pas, on va dire qu'ils n'avaient pas de allumer tout ça, mais les bougies que j'avais allumées pour Hanouka, pour dans la Hanoukia, ça reste allumé. C'est pour ça que. Vous savez pourquoi? Peut-être que le clan de Tadjouan à Tadjouan, c'est bon pour les mitzvotes qui sont par rapport à moi. Donc je tombe bait, il y en a des. Alors que la Kana Hanouka, c'est pour les autres, c'est montrer les personnes de l'année, c'est la fée. Et alors? Je suis conditionné. Là-bas? C'est ce que je dis. Peut-être que le clan de ta logique, c'est tout ce qui est par rapport à moi, j'ai un intérêt pour moi. Donc, c'est pour les autres, et je vais choisir ça. Ok, ça peut être un kibun, une direction. Moi, en tant que moi, je dois être fixe tout le temps. D'accord? Mais peut-être que pour montrer la voie aux autres, des fois, c'est comme quand tu viens à un cours de Gemara tous les jours. Même si ton rave c'est le plus intéressant des raves, à la fin, tu t'habitues. Si je t'amène un plou qui vient une fois tous les 6 mois, waouh! Marzé Oreach, comment on appelle ça, Marzé Oreach? C'est un orateur occasionnel. C'est comme ça qu'on traduit en français. D'accord? C'est waouh! Conférencier. C'est une conférence, waouh! C'est comme ça. Quand tu, si, même si il est beaucoup moins bien que ton rave, mais ton rave quand tu le vois tout le temps, alors tu t'habitues. Donc des fois on a besoin de quoi pour montrer aux autres, de faire un show une fois, pour qu'on se rappelle du tadir. C'est bien. Approfondissons un petit peu. On parle de Hanouka les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? On était contre les Grecs. Qu'est-ce qu'ils voulaient les Grecs? Ils assimilaient qu'ils allaient en tirer sur Israël. C'est-à-dire? Faire oublier la Torah. Faire oublier la Torah. La Torah, rapide. Hein? Ils ne voulaient pas du tout nous faire oublier la Torah. Il y a écrit ils voulaient les Ashkicham, Toratecha, ou les Aviram, Michouke, Retzonecha. Il n'y a pas écrit qu'ils voulaient faire oublier la Torah, les Ashkicham, ta Torah. Ou les Aviram Mechoukim, non. Ils voulaient les faire oublier Toratecha. Ils voulaient faire que tu ne fais plus les règles Retzonecha. Tu veux faire des Choukim, il n'y a pas de problème. Tu veux faire une Torah, il n'y a pas de problème. Aval, pas Chouké Retzonecha. Les Grecs. Ils voulaient qu'on allume la menorah dans le temple ou ils ne voulaient pas qu'on allume? Ils ne voulaient pas. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour pas qu'on allume? Ils ont
impurifier toutes les. Bien joué, beau gosse. Mais si je veux pas que tu allumes la Hanoukia, qu'est-ce que je vais faire? Je verse. Pourquoi j'ai besoin d'un purifier? Parce qu'il voulait très bien que tu allumes. Il n'y a pas de problème d'allumer. C'est beau, c'est luxueux, c'est magnifique, ça fait de l'importance. Mais tu n'allumeras pas parce que c'est Dieu qui a dit. Qu'est-ce qui fait la différence entre une lumière impure et une lumière pure? Rien. Le fait que Dieu a dit. Moi, je veux que tu allumes. Allume. Mais pas parce que Dieu l'a dit. Vous ne comprenez pas le... Bien sûr. Impur et pur. Parce que, en fait, les Grecs, ouais, les Grecs, ils ont fait, ils ont divinisé, on dit divin, divinisé la nature. Le corps humain était divinisé. Tout le monde faisait du sport, faisait de la musculation. Les Jeux Olympiques, ils les faisaient nus. Pourquoi? Parce qu'on voulait montrer que l'homme et la nature, c'est eux qui sont au centre. Et il n'y a rien autour. Dieu, il n'existe pas. Toi, tu es un beau gosse, tu veux faire des règles, c'est bien les règles. Tu as une Torah, Torah, ça veut dire que tu as un mode de réfléchir, tu as une philosophie, c'est magnifique. Mais ne viens pas me raconter que tu fais la Torah parce que c'est Torah Techa, parce que c'est la Torah que Dieu a dit, parce que tu ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas, ça n'existe pas. Tu fais Rukir, les règles c'est bien, pas Rukir et son Necha, parce que lui il a dit ça n'existe pas. L'homme et la nature, c'est eux qui sont au milieu. C'est-à-dire que les Yévanim, ils ont transformé en divinité le Tadir. Ils ont pris la nature et tout ce qui est tout le temps et ils ont dit, il n'y a que ça. Et alors, c'est comme quand il y a un orchestre. Vous ne connaissez pas ça, mais avant, aujourd'hui l'orchestre, le chef d'orchestre qui est debout et on voit, à l'époque c'était pas comme ça. Avant, comment c'était l'orchestre? Tu voyais l'orchestre, il n'y avait pas de chef d'orchestre. Si, il y en avait un. Il était où? En bas. C'est-à-dire que là, c'est l'orchestre. Et en bas du sol, il y avait une petite porte comme ça, ronde, que personne ne voyait de derrière. Et lui, il était en bas et il faisait des trucs comme ça. Mais personne ne le voyait. Donc, en fait, quelqu'un qui voit l'orchestre, il dit « Waouh, comment ils font pour jouer comme ça en harmonie? Ils savent exactement quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il termine. Etc. Comment ils font ça ?» Mais il ne voit pas qu'il y a quoi? Qu'il y a un chef d'orchestre. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Grèce. On voit l'orchestre, le monde entier qui marche et qui est parfait, etc. L'homme, la manière de réfléchir, la manière de faire, le monde entier est parfait, mais ils ont oublié qu'il y a un chef d'orchestre. Et alors, quand est-ce qu'on se rappelle qu'il y a un chef d'orchestre? Quand il y a un miracle. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui arrête la nature, qui arrête le tadir, alors on se rappelle que quoi? Qu'il y a un chef d'orchestre. Bien sûr que c'est plus important de comprendre que toute la nature c'est un miracle. Mais le problème c'est que quand tu as oublié que la nature c'est un miracle, que tout l'habituel est devenu en fait sans miracle, le tadir, il est devenu divinisé, il n'y a plus rien derrière, alors ce qui est plus important maintenant à Hanouka, c'est bien souligner ça, c'est de montrer le chef d'orchestre. Et c'est ce qu'il dit Rava. Rava, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va avoir. Il dit, non, je sais très bien. Vu que à Hanouka, tout le problème, c'était de quoi? Qu'on a divinisé le tadir. Justement, là, maintenant, j'ai un grand besoin de quoi? De montrer le bien tadir. De montrer le miracle. De montrer que c'est lui qui fait le miracle. Alors, pourquoi il ne dit pas? Hein? Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi qui explique pas Rava? Le Gaon de Vilna a dit que chaque page de Gemara, si on l'étudie comme il faut une vie entière. Une vie entière. Tu sais qu'il y a. Aujourd'hui, on est tous des ignorants. Mais à l'époque, il y avait des gens qui étudiaient une Maseret. Toute leur vie. Le Rav Rimer, l'élève du Rav Eliyosh Zatzal. Un jour, il est venu voir le Rav Eliyosh, il lui dit, j'ai terminé ma Sechat Shabbat en Iyun pendant 5 ans, du matin au soir, 16 heures par jour, j'ai étudié avec tous les rituels, tout ma Sechat Shabbat.
Qu'est-ce que je te dis maintenant? Rabbi, je lui ai dit, tu as fait ma Seret Shabbat 5 ans. Waouh, c'est bien. Maintenant, tu vas étudier ma Seret Shabbat. Tu dis, ah, je viens de terminer. J'ai bien compris. Tu vas étudier ma Seret Shabbat. Encore 5 ans. Bon. Rabbi l'a dit, Rabbi l'a dit. Il est parti, il a recommencé ma Seret Shabbat. Encore 5 ans. Il revient après 5 ans et dit, ah bah, wow, c'est extraordinaire, j'ai vu des nouvelles, tout est nouveau, maintenant je comprends les choses différemment, c'est tout comment en profond, etc. C'est vraiment, wow, merci, merci, heureusement que j'ai écouté le rap, etc. Maintenant, qu'est-ce que je lui dis? Il me dit, maintenant que tu as fini ma Seret Shabbat 10 ans, tu vas refaire ma Seret Shabbat. Je lui dis, mais c'est une blague, non, c'est pas possible, ça fait 10 ans. Il dit, mais tu refais ma Seret Shabbat, encore 5 ans. Il dit, ouais, mais Torah m'a t'es allée, et le reste du chasse, quand est-ce que je te dis? Il dit, mais il n'y a pas de problème. Si tu étudies vraiment Maseret Shabbat, tu arriveras au chasse entier. Quand on étudie Maseret véritablement, dans toute la Maseret, tu arrives au chasse entier. Tu étudies Tosfot, les Rishonim, tu passes par le chasse entièrement. Et il a refait 5 ans. Il y a des élèves qui écoutent. Il a raconté après qu'il le ramène chez les décédés. Et il a dit que. Termine, Jérôme. D'accord? C'est profondeur après profondeur, c'est secret après secret qui sont dévoilés à chaque fois, et c'est des étapes. C'est des étapes, tu ne peux pas passer directement à des étapes. Donc, la Gemara, hein, tout est écrit en code, comme la Torah. La Torah, pourquoi la Torah, elle a raconté l'histoire comme ça? Ouais, pourquoi? Parce qu'en 5 petits livres, je dois rentrer le monde entier à l'intérieur. Donc, tout est écrit en code et en demi-code et en demi-lettres, etc. Il faut juste savoir les règles, et c'est ce qu'on fait, nous, on utilise les règles. J'ai rien inventé. Je t'ai expliqué c'est quoi Tadir, je t'ai expliqué c'est quoi l'autre Tadir, je t'ai expliqué c'est quoi la Grèce. Je n'ai pas inventé, c'est des choses qui sont... C'est écrit, mais en code. Tu comprends? Maintenant, cette explication-là, c'est l'explication du Rav Weingart. Et... pour comprendre ce qui se passe vraiment à Hanouka, vous savez qu'il y a une question du Bet Yosef. Le Bet Yosef, combien de jours on fait à Hanouka? 8 jours. Le Bet Yosef pose la question, pourquoi 8 jours? Le miracle était combien de jours? 7. 7? Pas 8? Parce que le premier jour, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'ils ont trouvé une fiole d'huile qui servait pour allumer un jour. Et ils ont allumé avec ça 8 jours. Donc combien de temps le miracle était? 7. Le premier jour, c'était pas un miracle. Il y a plus de 250 réponses qui ont été écrites. Il y a un livre avec 250 réponses, depuis il y a encore beaucoup de réponses qui ont été écrites, d'accord? Plus de 250. Il faudrait faire un cours à part entière, en lui-même, pour expliquer pourquoi, pas les réponses, mais pourquoi il y a autant de réponses sur cette question de Dafka. Il y a aussi un cours là-dessus, d'accord? Non, 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 je rigole pas, c'est pas du tout une blague. Pourquoi Dafka, cette question, les méforges, ils ont cherché tellement de réponses, parce que c'est très important. Et... il y a plein de réponses. Mais nous, on va rien que parler d'une réponse. D'accord? Et non, on va quand même dire quelques-unes. Pour faire qui fait, on va faire qui fait. Il y a une réponse. Le Meir, il dit que le premier jour, on le fait pourquoi? Pour le miracle de la guerre. Le Meir, le miracle, il y a eu la guerre, on a gagné la guerre. Le premier jour, c'est pour la guerre qu'on a gagné. Et c'est pour ça que, en fait, le Chanou café. Quand Chanou, ça veut dire qu'on a arrêté la guerre, le café, et en fait, depuis le Kavav, c'est les 7 jours du miracle. C'est-à-dire qu'il y a 7 jours de miracle, et Chanouka, le Chanou café, c'est le 25, c'est le. On a arrêté la guerre, on a gagné la guerre, c'est le premier jour du miracle. Il y a une autre réponse qui dit qu'en fait, les Hachmonaïm, ils savaient qu'ils avaient besoin de 8 jours pour faire de la nouvelle huile. Alors en fait, le premier jour, ils ont déjà mis. Ils avaient la fiole pour un jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un huitième. Ils n'ont pas tout rempli parce qu'ils ont décidé qu'on ne va pas pouvoir allumer tous les jours. Ils ont allumé avec un huitième. Et ce huitième-là, il a lui-même servi pour toute la journée. Donc même le premier jour, il y avait déjà un miracle. Il y a une autre réponse qui dit que non, ils ont tout rempli. Mais ils ont vu déjà le premier jour qu'il est descendu seulement un huitième. C'est-à-dire que ça n'a pas été brûlé, ça s'est rempli encore une fois. Ça a descendu seulement un huitième. D'accord? Il y a encore une réponse sur Tam Seifer extraordinaire. On a dit hier, je crois. Tam Seifer était une réponse extraordinaire.
Il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Qu'ils ont trouvé une fiole qui servait pour allumer un jour. N'est-ce pas? Parce qu'ils avaient des fioles qui étaient spécialement conçues pour la menorah un jour. Mais cette fiole-là, là-dedans, il y a de l'huile pour allumer un jour. Où? Au Beit HaMikdash. Qu'est-ce qu'on dit dans la Nissim? La Nissim écrit qu'ils sont entrés dans le Beit HaMikdash, ils l'ont nettoyé. Ve'idliku Nerot Bechatzrot Kotchecha. Ils ont allumé où? Dans la cour du Beit HaMikdash. Dites-moi, si j'ai une fiole qui sert pour allumer un jour et que je mets dehors, combien de temps ça va brûler? 10 secondes. Non, pas 10 secondes. Ça va beaucoup moins. L'oxygène, il absorbe beaucoup plus d'huile. La consommation d'huile, elle est beaucoup plus rapide. Donc, le miracle, il dit le Chacham Sofer, il était déjà le premier jour. Parce que, bien que c'était dehors, ils ont allumé ça dans la cour, et pourtant, il y avait quoi? R, ça a duré toute la journée. Alors, ça aurait jamais dû durer toute la journée avec cette mesure. Comment ça se fait qu'ils ont allumé la cour? Ils essayent qu'il y avait rien. Non, mais ils ne pouvaient pas allumer l'intérieur, c'était un pur. Ils auraient pu penser à nettoyer et après. Ils ont nettoyé, et même si tu nettoies, ça ne devient pas pur. Il faut purifier encore toutes les choses. Quoi qu'il en soit, une réponse encore. Théo sourit, on va faire cette tête. Une réponse encore, c'est que le miracle était qu'ils ont trouvé la fiole d'huile. Parce qu'il y a une grande question. C'est quoi la grande question? Pourquoi les Hachmonaïm, ils ont tellement tenu allumé avec de l'huile pure? Je vous rappelle qu'on a une règle qui dit que Touma Trouya Betzibour. C'est-à-dire que si tout le Tzibour il est impur, alors on peut faire tous les travaux qui sont fixes au Beit HaMikdash, on peut les faire impurs. Pourquoi ils ont tellement tenu à faire ça? La mehadrin mina mehadrin. Vous avez fait Hanouka. Pourquoi? Parce que déjà dès le début, leur combat était la mehadrin mina mehadrin. C'est un miracle déjà qui vient. Je pense que alors que tu le crois que tu vas faire. Donc au contraire, ça allait... Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais c'est clair que si quelqu'un était venu me dire à cette époque-là, j'aurais dit qu'il faut sortir même 1%. C'est ça la halakha. C'est 10 contre 10 000. Même 1 contre 100 000, madame Janet. Si on te dit transgresser la Torah ou je te tue, qu'est-ce que tu dois faire? Ouais. Donc c'est clair que c'est ce qu'on devait faire. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que encore une fois, pourquoi les Grecs ils ont tellement réussi? Pourquoi il y a eu tellement de mitiavnim, des hellénistes? Vous en dites des hellénistes? Les petits français, les hellénistes, c'est ceux qui voulaient devenir comme des Grecs. Pourquoi ils ont tellement réussi les Grecs? Ils ont donné envie. Parce que c'était beau, c'était magnifique. La Grèce, tout était magnifique. Tout était travaillé extérieurement. C'était Mehoudar. Mehoudar, c'est quoi? Magnifique, c'était beau, c'était impeccable, c'était immaculé, tout. Et ben voilà, la Torah elle vient te dire, tu as l'impression que la nature elle est immaculée, mais si tu regardes bien, c'est le Kodesh qui est immaculé. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est la seule mitzvah Hanouka où il y a écrit dans la Gemara vers mehadrin mina mehadrin. Il n'y a pas écrit dans la Gemara, nulle part où on doit faire la mehadrin mina mehadrin. C'est écrit nulle part, sauf à Hanouka. Pourquoi? Parce que spécialement à Hanouka, il faut faire le judaïsme, la mehadrin mina mehadrin. C'est ça la réponse à Yavan, à la Grèce. Nous aussi, on sait être très beaux gosses, mais encore plus beaux gosses que vous. Et alors, tu gardes les gens chez toi.
Au lieu que les gens ils vont dehors parce que là-bas c'est waouh, c'est un théâtre extraordinaire, alors chez nous c'est encore plus beau. Mais c'est encore plus beau dans quoi ? Dans la Torah. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu Pirsum Enissa, celui qui dirige cette nature-là, il est encore plus beau que la nature. Il est encore plus parfait que la nature. D'accord ? Tout ce que tu vois, toi qui es parfait et immaculé dans ce monde-là, c'est encore rien par rapport au Pirsum Enissa. C'est-à-dire que si tu vas voir le miracle, et en fait ce qui s'est passé, ils ont voulu faire les Hashmonaïm, la Mehadrin, mina Mehadrin, pour montrer que la Torah, on l'a fait d'une manière la plus belle et parfaite du monde. Et alors, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur ? Le miracle commence. C'est ça déjà le miracle. Et le miracle, c'est quoi ? C'est que l'huile va brûler pendant 8 jours, et ça te montre que quoi ? Les Grecs aussi, ils allument des candélabres, etc. Il y a de la lumière, et c'est magnifique, et c'est beau, etc. Mais chez nous, non seulement c'est beau, mais c'est le Pirsum Enissa. À l'intérieur du beau, tient la divinité, la véritable divinité. Et cette divinité, à l'intérieur, c'est beaucoup plus beau, parce que c'est ça qui fait les choses et miraculeusement, qui tiennent le coup et qui sont au-delà, bien au-delà de ce que toi tu peux faire dans le Tadir, dans ce que toi tu peux faire dans cette nature-là. Tu peux travailler la nature, mais ce que fait l'homme ne sera jamais au niveau de ce que fait Dieu. Vous comprenez ? C'est-à-dire que nous, on peut faire des choses qui sont très bien, très belles, d'accord ? Mais là, l'ordinateur le plus performant que tu peux créer, d'accord ? C'est même pas un millionième ou un milliardième ou je sais pas combien de ton cerveau. D'accord ? Le nombre de péoulotes, d'actions qui sont faites dans ton cerveau par seconde, aucun ordinateur au monde peut faire ça. D'accord ? Tes yeux, la même chose, etc. Donc le Pirsum Enissa, justement, à Hanouka, c'est la Mehadrin mina Mehadrin. C'est te montrer que Dieu, qui est à l'intérieur, ce qu'il fait, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus époustouflant que tout ce que tu pourras voir chez les Grecs. C'est vrai que de dehors, des fois, ça a l'air plus reluisant et plus entraînant et plus attirant. Mais c'est une erreur. Ce tadir-là qui est parfait, la mère nature qui est parfaite, tu te gourres complètement. Si tu regardes dans le Hilmot, c'est-à-dire, si tu regardes dans le Pirsum Enissa, si tu regardes dans celui qui est derrière ça, tu verras que c'est encore beaucoup plus parfait. Question. Il nous reste quelques minutes. Je vous écoute. Vous pouvez causer des questions sur... Pas seulement sur Hanouka.